Oh, regardez les gars. Il y a la bébête. Comment on appelle ça, les gars? Je l'ai là. Ça s'appelle le vif d'or. Objectif, les gars, c'est d'avoir ça aujourd'hui. What's up, my boy? C'est Shane. On est parti pour continuer notre aventure sur Hogwarts Legacy. La dernière fois, on était allé à Pré-Aulard. On avait trouvé un livre magique sous la bibliothèque. Nous avons même trouvé la maison d'Hagrid. Et là, ce qu'on veut dans cet épisode, c'est faire du Quidditch. Ou au moins, faire du balai magique. Bon, on s'en souvient, dernier épisode, j'ai cassé ma baguette. Voilà, du coup, j'en ai une deuxième. Elle est en plastique. Voilà, comme ça, si je la casse, c'est pas grave. Le Quidditch. Ce que j'ai compris, les gars, c'est qu'on n'est pas encore arrivé à l'histoire pour commencer à faire du balai magique. On a fait cours de potions, on a fait cours de botanique. On commence à avoir beaucoup de pouvoir, hein. Open it. Voilà, regardez j'ai comme c'est magnifique. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ta gueule, tais-toi. À chaque fois que je passe devant le truc, j'ai toujours dit que voyager... Eh, hey, il faut que je monte tout là-haut. Ne faites pas attention à moi, les hiboux. Où se trouvent ces statues? Revelio. Ah, je crois qu'elles se trouvent derrière ces trucs-là bizarres. Je reconnais ces poignées. Un sortilège d'attraction de tout à l'heure. Ah ouais. Je dois continuer de chercher. Continue. Oh, c'est quoi ça? Ça me va très bien. Je suis en train de détruire leur niche. Oh, c'est quoi ça? C'est une statue de Chouka. Est-ce qu'il y en a d'autres? Rébellion. Oh, il y en a plein là. Ok, encore une statue. Et on les pose ici. Placé. Espace. On a fait un tour de magie dans la voilière. Partez les boues. Il va se passer un truc de malade. Ouais. Je suis devant un fantôme. Oh, c'est Nickel sa tête. Serait-ce possible? Ah non, c'est quelqu'un Richard Chouka. Aurait enfin résolu mon énigme. Richard Chouka. Ouais. Monsieur Ollivander avait donc raison. Il veut retrouver la baguette de sa famille. Je suis à peu près sûr de l'avoir lâchée quand j'ai perdu la tête dans cette grotte. Pourquoi ai-je suivi cette carte? Vous avez volé une baguette, puis suivi une carte indiquée sur des pages dérobées à Peeves, et c'est ce qui vous a mené à votre perte? Résumé comme cela, c'est encore plus absurde. Mais oui, pourquoi tant d'intérêt pour une vieille baguette? C'est Ollivander qui s'y intéresse. Pas moi. Ce que je veux, ce sont les pages. Pourraient-elles se trouver dans la grotte avec la baguette? Sans doute. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite? Non. Tu vas pas me dire que j'ai à la forêt interdite. Tu veux que je t'aide? C'est okay. La seule façon de récupérer ces on pages. On va y aller. Je vous rejoindrai okay. Là-bas. Si on va y aller. De mon squelette décapité ne vous gêne pas, la baguette et les pages sont à vous. Les gars, je vais vraiment à la forêt interdite pour vous. Niveau 9. Danger, ministre de la magie. Attention, il y a des centaures. Il y a quelqu'un? Oh, putain, mais pourquoi j'y vais la nuit en plus? Harry Potter Flair. Oh. Attention, centaure, danger. Il y a deux chemins. On va aller là. C'est quoi, c'est des poules? Il y a des poules dans la forêt interdite, mec. Eh, attends, il y a un truc rouge sur la carte. C'est quoi le truc rouge sur la carte? Oh, c'est quoi ce crapaud? Grand fangieux épineux. Waouh. Ah, putain, il faut que je me protège, hein. On va tenter de lui faire un deuxième pouvoir et on le détruit comme ça. Allez, encore. Hop là, bien joué. Hop là, terminé, c'est bon. Défi débloqué, vaincre les fangieux. Et il a fait spawn des jus de sangsue de sa bouche. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Alors ça, c'est des pouvoirs. Oh yes, il commence à faire jour. Oh là-bas, il y a notre boss là-haut. On y va? C'est une araignée, je crois. Oh, il y a plein d'araignées, il y a trois araignées, frère. Regardez. Hop là, je suis invisible. Non, des araignées, mec. Il y a un mec. Je suis obligé de l'aider. Ne tombe pas. Non, il est tombé. Attaque. Triangle. Hop là. Voilà, bien joué. L1 plus R1. Nickel. Il y en a encore un, fais gaffe. Ah non, c'est un pote ou pas? Aïe. Ouais, c'est quoi cette araignée en bas? Vous avez vu? Comment je vais pouvoir le défaire lui par contre, c'est abusé? Comment je fais? Le feu! Incendio contre les araignées, je suis débile! Ah! Incendio! C'est le plus fort contre une araignée, c'est vrai, j'ai oublié! Incendio! Putain, après dans les commentaires, on va encore dire que je suis nul et que je connais pas les films. Mais si, bien sûr, les gars, je connais les films, ok? J'ai regardé 14 fois! Incendio, triangle! Ow! Putain, j'en veux mourir.
Bien joué. Bien joué. Bien joué. Comment on fait? Oh, il s'est barré. J'ai sauvé un gars, il s'est barré. Qu'est-ce que c'est cet endroit chelou quand même? Waouh, bon les mecs, on s'en est bien sortis, d'accord? C'était notre premier combat d'araignée. Est-ce qu'on peut enflammer ça? Yes, trop stylé, trop stylé. On continue notre périple les amis. J'espère que vous avez bien lâché votre pouce bleu pour soutenir le let's play les amis sur la chaîne. Si tu veux en voir davantage, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche. J'ai l'impression que c'est pas forcément l'endroit où il faut que j'aille, tu vois. Il y a tellement de choses à faire avec la magie noire. C'est des soldats! Je crois que j'ai entendu. Permets-moi. Waouh! Triangle! Tu as essayé. Qu'est-ce qui se passe? La vue est superbe. Voilà, ça c'est mieux ça. On l'a transformé en poule. Et on l'attaque. Joué. Mais j'ai cru que ça allait être un centaure, les gars, je vous jure. C'était des sorciers méchants avec moi, frère. Où est-ce que je suis, les mecs? Combattez des vagues d'ennemis dans cette arène en usant des sortilèges impardonnables comme Avada Kedavra. Mais attends, mais je suis un cerf d'aigle. Et là, tu vas me dire que je vais apprendre Avada Kedavra. Qu'est-ce que c'est, ce bordel, les gars? Oh, my God! J'ai des pouvoirs! Vague 1. Oh! Kofringo! Kofringo! C'était Andoloris. Andoloris! Oh my God! Je viens de jouer un Avada Kedavra contre un gars là. Et lui depuis tout à l'heure il souffle, vous avez vu? Vaincre des mages noirs, let's go. Mais c'est quoi ce bordel? Vague 2. Des gobelins! Faut vite utiliser les pouvoirs parce que vous avez vu, ils ont un temps avant de pouvoir les réutiliser. Du coup, je les fais tous, tu vois. Protego, hop. Hop là. Bon. Hop là, esquive. Et en fait, j'ai remarqué que Impero, en fait, ça lui change sa pensée. Il devient un ennemi pour ses potes. Waouh, les combats ils sont incroyables. Oh my God! Troll des montagnes! Ouais, ça c'est mieux déjà. Hein. Heureusement que j'avais Avada. En fait, Avada Kedavra c'est trop fort. Ça one shot l'ennemi, mais instant quoi. Je mets pas trop de dégâts, bon, c'est compliqué. Donc mon Avada Kedavra il arrive à se terminer vite là. 3, 2, 1. Adios amigos, babyos. Oh yeah! On les a terminés. Mec, je suis un malade d'avoir utilisé Avada Kedavra, frère. Je suis un malade. Bonjour, monsieur. Hello, Richard. Richard Shuka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemin en quête de sa voix. Eh, hey, cerf d'aigle, c'est pas mal. Hein. La maison la plus choisie, c'est Serpentard. Ensuite, Gryffondor, cerf d'aigle et Poussouf. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intramuros. Ok, quête commencée. Je suis Shuka dans la forêt interdite. Lunaise, les gars, on est en train de suivre un fantôme dans une forêt interdite. Mec, cette forêt, dans Harry Potter 2, il y avait énormément d'araignées. Tellement de choses bizarres dans cette forêt, les gars. Mais j'ai tellement. Oh non, regardez. Oh non, araignée là. Do not araignée. Non. On va prendre ça. Hop là. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez quoi sur chemin et cherchez un bain. Sérieux, sale patard. Adieu. Adieu. Mais il me laisse dans la merde. Oh punaise, c'est quoi ça? Attaque. Expelliarmus. Inferno. Ah non, Incendio, pas Inferno. Oh, des petites bêtes. Triangle, triangle. Elle a rien. Elle est niveau 20, cette chauve-souris là. Bizarre. On l'a détruite. Triangle. Aïe. Triangle. La musique est incroyable. Faut que je garde mes grosses attaques quand il y a une grosse boss, tu vois le délire. Oh punaise, comme par exemple celle qui arrive là-bas, tu vois. Expelliarmus, Incendio. Voilà. Et là, elle crame. Expelliarmus, Inferno. Et arrête de dire Inferno, c'est Incendio, c'est le débile. Mec, je vais mourir, je suis mort. Je suis mort. Alors, aussi, elle est niveau 20. Je suis niveau 10. D'accord, je l'ai tué. Voilà la cascade.
Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Waouh, oh, ça me rappelle Harry Potter 3. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Regardez les cerfs. Ok. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Un nouveau lieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les gars, on fait tout ça pour le Quidditch. Chante dedans. Nice. Mince. Tu serais pas un peu loin de chez toi. Mince. Anrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cassette. Ah là là. Sakrigo. Super Power. Je ne pas à... Experience là lui a enlevé les pouvoirs. Triangle. Bien joué. Inferno. Incendio. Je gérerai toute ma vie Inferno parce que j'arrive pas à le dire. Pourquoi veux-tu retarder Incendio? Bien joué. Mais si je rentre à l'intérieur, est-ce qu'il y a moi aussi que je me fasse aussi décapiter la tête comme lui ce qui s'est passé? Waouh. C'est magique. C'est incroyablement magique. Oh. Levioso. Oh. J'ai tapé sur les trois trucs. Et est-ce que ça va me faire... Oh, un pont. C'est quoi ce coffre de malade? C'est quoi l'intérieur? Ah, j'ai gagné un chapeau. Alors, c'est-à-dire, attends, dans l'équipement, on a notre premier choix. Défense 37. Et j'ai une nouvelle cape aussi. Est-ce qu'elle est meilleure en nouvelle cape? Je crois que c'est la même. Ah non. Waouh. On a passe en offensif 41 aussi. Ennemi. Oh, oui, des ennemis ici. Hop là. Ah, elle, comment vous voulez le jouer, t'as vu? Voilà, une scène de mon gars. Ah, t'es là-bas, toi aussi. Voilà. Et toi aussi, t'es là? Vas-y. Expelliarmus. Voilà. Niveau 11. Oh, j'entends des bruits. Ah, ça fait tellement peur, ces araignées, les gars. Je vous jure. T'entends des bruits trop chèmes. Voilà. Oh, y a un immense coffre. Trop sympa. Des gants de duel racés. Mec! J'adore, là j'adore me stuffer. Là c'est le moment stuffage, j'adore. Parce que tu vas ensuite dans petit équipement, tu vas dans tes gants. Et là normalement mes gants de duel, regardez. Pouah, plus 14 en offensive. On se stuff comme des malades. On est un vrai sorcier là. Voilà le pont. Il est presque terminé. Oh, quel dommage. Ouah, elles sont énormes. Ouah, elles sont énormes. Tcha. Punaise. Action. Joué. Incendio. Joué. Expelliarmus. Bien joué, let's go, on en a tué une. Joué. Expelliarmus. Au revoir. Let's go. Ouh. C'est chaud, les gars. S'il y a un truc à casser. Hop. On fout ça. On tape ici aussi. On tape aussi ici. Let's go. Et là, normalement, ça va terminer le pont. Ah non, ça va bien le construire. Ah bah, je préfère, voilà. Il y a quelqu'un là-bas? Oh non, je crois que c'est les mecs chevaliers. On va les retrouver ici. La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Du coup, il est mort ici. Ça, en fait, c'est son corps. C'est parce que des chevaliers l'ont coupé la tête, en fait. Et moi, je décide quand même d'être ici et de jouer avec des gens vraiment sympas. Triangle. Voilà, je préfère. Triangle. Action. Bam. Et là, quand il est en l'air, tu vois, on le termine comme ça. Let's go. On prend l'XP. Et là, on a trois chevaliers extrêmement puissants, badass. Expelliarmus. T'as plus d'armes, frère. Ah, il a une épée à la place. D'accord. Action. Wesh. Incendio. Ah, ça lui fait rien du tout, d'accord. On lui a refait Expelliarmus au moins. On va le récupérer ici, mais en fait, ça sert à rien de faire Expelliarmus. Ça lui sert à rien de faire Expelliarmus, du coup on va l'enchaîner comme ça à la place. Bien joué. Il y en a un autre, il y en a deux en même temps là. Ok. Incendio. Ah c'est ça pour enchaîner Incendio, let's go. Expelliarmus parce qu'il est proche de moi. Hop, on l'amène. Hop là, esquive. Hop là, esquive. Incendio. Expelliarmus. Et là, on va en terminer comme ça. Ça sera beaucoup plus facile. Avec une super power. Oh il a esquive. Incendio. Jouer. Let's go. Par quel est cet endroit? Il voulait venir ici. Un portail. Une danse. La réserve de la bibliothèque. Bah ouais. C'est là où on a eu le livre. Mais il manquait des pages à l'intérieur. Oh non. La salle est en train d'être
Mince. Quelle sorte de magie est-ce donc? What? Bon, je suis pas dans l'eau, je suis dans une orbe. Waouh! C'est quoi ce bordel? T'inquiète, Harry Potter, tout va bien. Il y a un autre portail en face de moi. Est-ce que ça sera un souvenir? Cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Yes. Qu'est-ce que c'est, cet endroit? Oh mon dieu. C'est quoi ce secret de malade? Je savais pas qu'à Poudlard il y avait des secrets comme ça. C'est impressionnant. Sorte de tableau. Il est là, le poteau. Serait-ce possible? Oui, Percival, c'est moi, frère. Je vois la magie ancienne comme toi. C'est vous. La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une pancine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entrée à Poudlard. Vous avez bien suivi. Et j'imagine que nous partageons la même capacité. Oui. De voir des traces de magie ancienne. Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Mais non. Mais c'est mon prof. Mais c'est mon prof, il est parti à Londres avec le livre. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer des talents plus 1. Oh, des talents. C'est quoi ce truc de malade? Alors j'ai 7 points de talent disponibles. Je peux mettre ces points dans sort. Ces talents vous aident à améliorer vos sortilèges. Ces talents accroissent votre capacité en lien avec la magie noire. Ces talents améliorent votre efficacité globale. Ces talents accroissent votre capacité à vous déplacer discrètement. Ces talents optimisent l'utilisation des potions et des plantes de combat. Alors moi j'adore la furtivité. Maintenant, je peux courir en étant invisible. Ça, c'est trop bien. Magie noire, c'est quoi? Niveau 22, je pourrais éliminer un ennemi avec Avada Kedavra. Mais non. Mais où je suis là? Parce que il me dit que je retourne avec le livre, mais où est-ce que je suis? Je suis revenu à Poudlard? Quoi? Alors, voyons voir. Il faut que j'aille ici. Oh! Balai! Balai! Allez, en cours de vol! Oh, let's go! C'est le moment où j'apprends à voler. Oh, let's go. Mec, Monsieur c'est Kirtle, comme dans le film. Concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Je suis un peu en retard, ouais, j'ai tué pas mal d'araignées, mais bon, voilà quoi. Aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Non, c'est que du coulisse, madame, ou du caca. Debout! Balai au rabais. Debout! Pardon. Debout. Oh, il était pas mal, t'as vu? Debout. Pas mal. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. T'es j'aime regarder tout, mon gars. Wouh! Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. D'accord, reçu 5 sur 5. Oh, ma gueule, je vole! Volez à travers chaque anneau de la cour. Okay. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Wouah, c'est dur. Si seulement j'avais mon propre balai. Oh, t'as vu ce qu'il vient de dire? Si jamais j'avais mon propre balai. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. Ok, ok. Vas-y. Donne-moi... Hé, hein? Le vif d'or. Quand tu veux. Ok. Lâche pas les vite maintenant. Wouah! Je vole! Je vole! Merde, tu es la zone de quête. C'est bon. Je suis Harry Potter! Regardez le château de Poudlard! Allez, on doit aller là-bas dans le cercle, let's go, on y va. Allez. Ouais, ensuite après. Là-bas, il est en bas, faut faire une course. Enfin, ah putain, je vois plus rien. Ah putain. Il va plus vite que moi. Waouh, alors ça c'est Harry Potter 4, c'est ça? Putain, comme elles sont trop bien les musiques, mec. Bon, lui, ça se voit que c'est un Abus 1992, hein. Faire une apparition de temps en temps. Il y a un poulpe aquatique, tu vas me dire. Aïe! J'ai du mal, j'ai trop du mal. Wouh! Let's go! Dis donc,
Je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Comme ça, hein. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. De quoi difficile? Tu veux venir t'amuser avec moi en altitude? Tu veux comment, t'es en terre? Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Un petit détour. Bon, je crois qu'il veut qu'on le suive, les gars. Waouh! C'est agréable de tout contempler d'ici. Ah, je croyais qu'il allait rentrer dans la terre, moi je suis en mode what the fuck. Wow! Oh! 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 On a le droit de faire ça? Je vole! L2 pour l'annihilation lors du vol avant. Wouah! Je vais tellement vite là! Est-ce qu'on peut aller faire du Quidditch maintenant? Oh, c'était ça le coup de sifflet, vous avez entendu? Waouh, le coup de sifflet de malade que j'ai entendu, c'était trop joli. On va à fond! Oh merde! C'était incroyable. Alors, où étiez-vous tous les deux? C'est lui, c'est pas moi. Professeur, on essayait de s'entraîner un peu plus. Ah ouais. Vous n'avez pas daigné. C'est bon pote, hein. Il me protège. Cela va vous coûter beaucoup de points. Oh non, monsieur pas Pistole. Des points. Votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais professeur, c'est le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous. Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Oui. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. Non. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. T'es ouf. Je te conseille d'aller voir Albi Wicks chez Beauballet à Préolard. Ok, let's go. On va aller à Préolard, les gars. On va lâcher du balai. Ah, c'est là les balais. Ah, est-ce que je peux y aller? Je me souviens au début, je pouvais pas y aller. Oh! Une nouvelle tête. Fantastique. Mec, oh, le palais de malade. Bonjour, monsieur. Monsieur Wicks, c'est ça? Albi Wicks, à votre service. Bienvenue à Beauballet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Bah oui, parce que j'avais pas le niveau, fait par genre. C'est parce que je n'avais pas encore avancé la dans l'histoire pour pouvoir faire de Beauballet. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai. Oui. J'ai quelques rares 13 diffs en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Je sais pas si c'est pas trop cher. J'ai 1114 pièces. Le premier coûte 600. Aperçu du balai. Cet article est d'excellente qualité. Ok. Lui, c'est quoi? Ok. Lui, c'est quoi? Ok. Lui. Cet article est d'excellente qualité. Ok, je prends lui un stand. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. Punaise, le petit cachotier. Et viennent me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Notre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Oh. Elle est futée. Il veut que je m'entraîne pour avoir des données de vol, d'accord. Et pour améliorer mon balai. Mais alors du coup, si je suis là, est-ce que je peux avoir mon balai? Parce que j'ai un balai, on est d'accord. Ah, je peux pas voler ici. Je peux voler là normalement. Ouais, je peux voler. Oh, let's go. Wow, mon balai il est dard, mec. Regardez ça. Waouh. On va vite, voir. Ah ouais, ouais, il va plus vite. Ouh. On va la battre, ça va être trop facile. Et hop là. Salut, serre d'aigle. Oh, comment elle a parlé, t'as vu? C'est quoi, c'est une serpentard? Albi Wicks m'envoie. Ah, c'est une serpentard. Vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. Il a critiqué mes techniques de vol. Alors j'ai vite arrêté. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Parce que t'es nul, du coup il veut moi. Tu comprends? T'es bête? Allô? En cours de vol avec Clopton. Voilà, on dirait que t'es jalouse. C'est pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi, la capitaine de l'équipe de Serpentard, jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Serre d'Aigle. Ah, allons-y. 2, 1, go. Wow, 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 wow. Ok, bien joué. Ça y est. Joué. Voilà, ça c'est des boosts. Oh punaise. Je l'ai. Ma main glisse. J'arrive pas à prendre les. Il y a 22 anneaux à faire. C'est chaud quand même. Non, 3 secondes de pénalité. Waouh, doucement. J'ai réussi. Non. Ça c'est dur. Oh. Ma main glisse, ma main elle est trop grande. J'arrive à prendre les bulles, ça me permet d'aller tellement plus vite les gars. Allez s'il te plaît, c'est bientôt la fin. 21, let's go. Let's go. Woo.
Là, en plus, j'ai des pénalités, mon gars. Comment voir le seum, les mecs. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Bla, 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 bla. Eh ouais, moi je l'ai. On s'abonne, les gars. Si t'es nouveau, fais-toi plaisir, ma boy. Comment ça fait si je monte le plus haut possible? Monte. À fond. Ah, je peux pas monter plus haut. Waouh! Eh bien, les amis, j'espère que t'as fucking kiffé! Oh, il s'est tiré pareil que moi! What? Bon, alors, pour ceux qui veulent savoir, il m'aura fallu environ 7-8 heures de jeu pour arriver au moment où on peut faire le Quidditch. Enfin, le balai, tu m'as compris. Merci d'avoir suivi cet épisode, ça fait fucking grave plaisir. Si tu veux soutenir le Let's Play, pense au pouce bleu et lâche un petit commentaire si tu veux là, dire quelque chose ou quoi que tu veux que je fasse, je le lirai avec plaisir. Je vous laisse ici, bande de sorciers. On se dit à très vite pour une prochaine aventure, une prochaine vidéo sur la chaîne. Je t'invite à cliquer juste ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass, ça me ferait grave plaisir. Geek comme un porc, c'était une chaîne. Ciao bye, see you. We'll be right back.